Bonsoir et bienvenue sur Reporter Info. Aujourd'hui, nous sommes à l'Université Libre de Bruxelles pour l'événement le plus grand de l'année, le World Startup 2019. En quelques mots, le World Startup est organisé par le Student Entrepreneur Club. Ici, les startups ont l'opportunité de présenter leurs projets et leurs nouvelles sociétés. 70 sociétés sont présentes à cet événement et les étudiants peuvent profiter de l'occasion pour trouver un stage ou un emploi après leurs études. Dans un instant, un petit peu plus à ce sujet, avec Sonia, la présidente du Student Entrepreneur Club. Le Student Entrepreneurs Club, c'est un club qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes. Ça passe par trois produits principaux, les conférences, les workshops, et Startup World, auquel on est aujourd'hui. Et on vise à atteindre plusieurs facultés, à promouvoir l'entrepreneuriat, pas seulement à Solvay, mais dans d'autres facultés comme droit, polytech, la Cambre. On veut vraiment que l'entrepreneuriat soit accessible à tous. En 2 ans et demi, on a repris le club. C'est Hugo et Louis qui ont repris le club et ils ont totalement fait renaître le club avec un esprit moins axé sur Solvay, plus axé sur les étudiants en général. Et ils ont vraiment mis en avant tout ce que l'entrepreneuriat avait à offrir avec un nouveau format, avec de nouvelles valeurs qui ont été établies. Donc des valeurs entrepreneuriales, vivre en fait le Student Entrepreneurs Club comme sa propre start-up, ça a été le mojo. Et on a suivi ça, et c'est ce qui a fait renaître le club. Et maintenant, ça fait 2 ans et demi que ça bat à son plein, comme on peut le voir aujourd'hui, où le club, en fait, il s'agrandit chaque année parce qu'on veut chaque année apporter une nouvelle innovation. On essaie d'avoir une nouvelle innovation chaque année pour pouvoir offrir des choses nouvelles, pour pouvoir permettre aux gens de découvrir des choses nouvelles, parce que c'est l'essence même d'entrepreneuriat, quoi. Aujourd'hui, c'est qu'on a plus d'une cinquantaine de startups qui sont ici. Elles vont faire d'abord une pitch session. Une pitch session, c'est chaque startup présente pendant 1 minute son projet. C'est sympa parce qu'il y a un peu cette dimension de concours qui les fait stresser, alors qu'au final, c'est des startups accomplies. Et ensuite, on a une startup fair avec toutes les startups qui ont un stand et qui vont présenter leur startup et leur projet à toutes les personnes, tous les étudiants qui sont ici. Bien sûr, donc je suis responsable de la startup Newco, qui est une société qui développe des outils pour aider les PME dans leur gestion financière et leurs coûts. Je pense que pour nous, c'est une opportunité unique de pouvoir rencontrer énormément de jeunes, de personnes très motivées, aussi de porteurs de nouvelles idées. Et donc, c'est certainement quelque chose qu'on aimerait pouvoir refaire l'année prochaine. Alors du coup, moi je travaille chez Taero. On est une agence de recrutement digital. En fait, on est basé sur Bruxelles et on aide les jeunes diplômés et les étudiants à trouver des stages et des premiers emplois qui correspondent à leur profil. Exactement, je crois que c'est seulement la 2e édition. Oui. Donc voilà, on était déjà allé l'année dernière, on sera sûrement là pour la 3e aussi. On fait beaucoup de job fairs et de startup world en général, et je pense que c'est vraiment un événement qui se démarque des autres parce que déjà il y a beaucoup de participants et il y a aussi beaucoup de startup innovantes et intéressantes qui viennent pitcher. Donc je pense que pour les prochaines, on sera toujours là d'office. Et voilà, moi je pense que le principal mot qui vient à l'idée, c'est dynamisme. Bien,
maison du chocolat Guérin Bout de France s'est retrouvée à être sponsor pour le gagnant du concours de pitch. Et donc, nous avons fait un magnifique plateau gourmand avec un magnifique Saint-Nicolas et plein de délices chocolatées. C'est la toute première fois, puisque Chocolat Guérin Bout de France est en mode start-up ici en Belgique, puisque nous avons 2 ans et demi d'existence. Donc soutenir de jeunes entrepreneurs et jeunes entrepreneuses était tout à fait normal, même si notre maison, en réalité, a plus de 240 ans. C'est vivre et entreprendre est une merveilleuse aventure. Donc entreprenez. Wow Startup 2019, alors c'est une très belle initiative organisée par des jeunes gens motivés et sérieux. Ils ont vraiment le peps, ils sont super spontanés. Il y a eu des beaux pitchs, des idées innovantes. C'est vraiment l'opportunité pour les jeunes et pour les startups de se rencontrer en ces lieux. C'est vraiment une opportunité à pas rater. Ça va sûrement revenir l'année prochaine. Entre-temps, moi, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Reporter Info. N'oubliez pas de liker et de partager. Et je vous dis à la prochaine!